上学院的联合干嘛？这些给他装起来，这都是本事，就是。Chers téléspectateurs, ce dimanche, 3 mars, à la Bir à Yaoundé, le rendez-vous est donné avec le révérend docteur Enoka Narcisse. Il sera mon invité d'honneur et l'orateur principal de ce culte. Vous savez, on a eu la rencontre dimanche passé. Ce dimanche ici, la dimanche passée c'était l'entrée. Ce dimanche sera le plein de résistance et l'apéritif. Donc tout ça nous sera servi. La dimanche, ils ont juste un peu goûté au don de Dieu qui est dans son humble serviteur. Là, il s'agit de déployer toutes les armes massives. Les armes de destruction massive dans le monde des ténèbres pour apporter la délivrance, la restauration dans vos familles et dans vos vies. Voilà mon docteur. Une parole passée, dimanche, c'est déjà tellement apprécié. Beaucoup ont écrit que c'était puissant.
ils veulent encore le docteur et le cas soit là. Dans cette fois-ci, qu'est-ce que tu leur dis? Merci. Bonsoir, les ennemis. Je vais la caméra. Que Dieu vous bénisse. Je confirme ma présence à la ville d'Aïe. Voilà. Nous allons continuer. S'il vous plaît, les glaçons ne sont pas disponibles. Il n'y a plus de glaçons. Ça, c'est dangereux, madame. On est en danger. Et ce que nous avons commencé, il va bientôt. Il y a des prophéties qui sont sur le point de s'accomplir. Il y a des américains qui sont sur le point de partir et qui surgissent toujours au moment où votre temps de voir apparaît. C'est une erreur qui va être rectifiée. C'est une anomalie qui doit être corrigée. Et je vous donne donc rendez-vous demain, très tôt. Je sais que ça sera puissant. Les anges du Seigneur seront parmi vous. Sa puissance est déclarée. Nous allons naviguer dans les profondeurs de l'Écriture et par une connaissance qui délivre, une révélation qui apporte une transformation qui établit la restauration, un règne sous la grâce de Dieu qui nous a appelés. Nous croyons que tous ceux qui viennent et tous ceux qui nous suivront à distance ne passeront pas à côté, car Adonidia ne reviendra plus. C'est le temps où les Salomon et la famille doivent être repositionnés dans la toile. C'est le temps où les personnes qui se sont levées contre nous doivent dégager pour toujours. Alors, nous verrons rendez-vous bel et bien demain. Je serai là. J'ai hâte de te rencontrer. Passe un message à côté de toi. Que Dieu te bénisse. Voilà, il faut dire que dimanche passé, le mystère d'Adonidja a été révélé, il a été grand. Et tout à l'heure, et par le grand Seigneur Jésus-Christ, ce mystère-là, comme je t'ai expliqué, c'est un passage que j'ai lu et relu depuis des années, mais sans jamais m'attarder sur cette révélation. Adonidja. Et je pense que directement, je vous donne encore ce thème-là parce que le message était très fort. C'est dangereux lorsque vous marchez avec des gens qui convoient votre histoire et qui sont prêts à tout et à corrompre parce que Adonidja est un esprit politique très élevé. Comment a-t-il fait pour séduire le cœur de Joas? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a promis? Où a-t-il trouvé le mot pour servir un général aussi puissant, le ramener à sa cause? Que s'est-il passé en fait? Moi, je pense que toutes ces choses-là montrent simplement que tout le monde autour de nous n'a pas l'intérêt de notre intérêt. C'est pas tout le monde qui a pour intérêt notre intérêt. Il y a des gens, chacun a ses motivations. Et il y a des gens qui sont là, clairement, pour appuyer, s'appuyer sur nos têtes, pour atteindre les trônes, la grandeur. Donc c'est dangereux lorsque vous avez une plateforme d'exposition pour d'autres personnes. C'est dangereux. Lorsque les personnes qui, supposément, devraient être pour vous des tremplins, des gradins et des gradins sur lesquels vous appuyez, vous exposez, font de vous plutôt une occasion d'exposition dans la génération, c'est profiter de vous négativement. Donc, à donner certains moyens. Et ça montre aussi le combat spirituel que nous menons tous les jours, les héritages. Donc, je peux, les gens, et c'est pas comme Jésus a dit, mais il dit, garde ce que tu as, garde les argent, de peur que cela ne te soit volé. Donc, ça dit un peu, ça dit que, comme il y a les Satan, c'est un braqueur, les démons sont des voleurs. On a des voleurs qui arrachent les salles, qui arrachent. Il y en a qui, eux, c'est les étoiles qu'ils arrachent, c'est les destinées qu'ils arrachent, c'est les trônes qu'ils calculent et qu'ils enlèvent. Donc, quand on parle de trafic de destinées, c'est une grave réalité. Le Seigneur a mené son serviteur.
il a pris l'avion pour venir nous voir. Quand il a pris l'avion, c'est très sérieux parce que on m'avait invité à un programme, j'étais allé, le prédicateur, tout m'invitait, il m'a présenté, il a dit, le frère a pris l'avion, moi. Bon, mais à vrai dire, je n'avais jamais vu un avion. Donc, ce n'est pas ce genre de présentation, lui, et il a vu l'avion. Et nous sommes en train de préparer pour l'Europe, où il était récemment, il a fait une petite tournée. Et par la grâce, avant la fin de cette année, bien sûr, on fera une tournée en Europe, France, Belgique, voilà, Europe, etc. Voilà, bien aimé, dimanche ne manque pas, si tu peux être là physiquement, et si tu ne peux pas, tu peux être là en direct, connecté à partir de ton téléphone ou de ton appareil dans tous les cas. Et il faudrait savoir, bien aimé, que ce dimanche, c'est l'ouverture de la semaine européenne. La semaine prophétique européenne. Parce que le vendredi de cette semaine-là, nous avons la grande nuit de l'ouverture des portes fermées à Paris, au niveau de 8 rue Serpente, dans le 14-500 Champigny-sur-Marne, dans les salons du Grand Paris. Nous serons là et nous serons très nombreux. Et je voudrais attirer l'attention des gens, vous savez, l'espace. L'espace est environ 2000 places. On ne peut pas excéder 2000 places, même si on met les chaises comme on donne. À partir de ce moment-là, nous voulons être très rigoureux dans la gestion de l'espace. Revenons tôt, s'il vous plaît. Et s'il y a excédent de personnes, ce sera très compliqué pour nous. Il est possible qu'à ce moment, les portes soient fermées. Parce que ça, c'est une difficulté que nous essayons de résoudre actuellement. Donc, vendredi, le 8 mars, nous avons la nuit de l'ouverture des portes fermées dans les salons du Grand Paris à Champigny-sur-Marne et dans le 14-500. Que Dieu vous bénisse, que vous verrez. Et le samedi, c'est la conférence des partenaires. À partir de 16h, dans la même salle, et dimanche, nous aurons le grand coup de la famille. Que Dieu te bénisse. Et j'en ai tellement.